Au-dessus, à gauche, le pic de Gleize. Vers la droite, la montagne de Charance et le pic de Seuse. Pour cette ascension de la voie normale, on accède à un petit col situé entre le pic de l'Aiguille et le pic de Gleize. Il suffit, à partir de ce dernier, de suivre la ligne de crête jusqu'au sommet. Ce sommet dévoile un panorama magnifique sur les Écrins, le Champsaur et le Dévoluy. Ici, le vieux Chaillol qui culmine à 3163 mètres et qui domine le Champsaur et le Valgaudemar. On rejoint le petit col et on emprunte sur la gauche un sentier qui descend à flanc sur des pentes soutenues. Les personnes sensibles au vertige devront s'abstenir. Puis c'est une courte descente hors sentier, en forêt et dans les pâturages. On retrouve un bon sentier en lisière de forêt que l'on prendra sur la gauche, afin de contourner la base du pic de Gleize. Ce sentier presque horizontal traverse également des pentes très raides où le vide se fait parfois sentir. Mais il permet d'admirer ces très belles falaises typiques du Dévoluy. Dernier regard sur le pic de Gleize, visible du fond du parking.